Le Niger est le territoire le plus vaste d'Afrique occidentale, partagé entre le Sahara et le Sahel. Il est indéniablement confronté à d'importants défis structurels. Cette situation est aggravée par une croissance démographique particulièrement forte. L'expansion démographique annule presque les acquis d'une croissance économique pourtant non négligeable. Elle impose à l'État des investissements importants, ne serait-ce que pour maintenir le niveau pourtant faible des services sociaux et éducatifs. Le gouvernement du Niger, avec l'appui des partenaires au développement, déploie des efforts importants en vue de la réalisation des objectifs de l'éducation pour tous, EPT, et des objectifs du millénaire pour le développement, OMD. Il s'agit globalement d'assurer un accès plus équitable des populations à une éducation de base de qualité. Dans cette perspective, Oxfam, à travers les ONG Timidria et ADD, Action pour un développement durable, a exécuté le programme éducation dans la région de Tillabéri. Alors, le programme éducation d'Oxfam est un programme, si vous permettez le terme, ancien du point de vue intervention, parce que depuis les années 2001, ce programme a commencé à intervenir dans la région de Tillabéri, presque dans l'ensemble des départements de Tillabéri, pour une première phase. Après cette analyse, ou du moins les résultats probants qui nous ont permis d'avancer sur d'autres départements, nous avons eu à capitaliser sur des formations et qui nous ont permis de continuer à contribuer à améliorer l'accès à l'éducation. L'accès à l'éducation, en même temps la qualité de l'éducation et d'un autre côté la gouvernance du système éducatif. Effectivement, Oxfam, à travers ses appuis, donc par l'intermédiaire des ONG telles que ADD et Timidria, appuient 30 écoles dans la région de Tillabéri. Et ceci nous a amené à aller donc superviser. Et ça, je vous dis que c'est d'ailleurs la première fois que nous sommes partis, donc nous sommes invités par une ONG pour aller voir sur le terrain qu'est-ce que cette ONG fait. Et ça, vraiment, nous sommes satisfait de ce que nous avons vu. Pour changer les conditions de vie des millions de Nigériens vivant dans les zones rurales, Oxfam s'est donné l'énorme défi d'assurer à tous les enfants en âge d'aller à l'école une éducation de qualité. Depuis la mise en œuvre du programme, des changements positifs sont observables, tant au niveau des élèves qu'à l'endroit des enseignants. Donc Oxfam s'est focalisé sur la qualité de l'éducation en mettant l'accent surtout sur la formation des enseignants. C'est la formation de COGES, c'est la formation d'autres structures qui sont liées à l'école. Ce sont les APE, ce sont les AME. Et nous avons aussi parallèlement mis en place un certain nombre de dispositifs. Ce sont les gouvernements scolaires, ce sont les clubs de lecture qui sont là et qui permettent dans un ensemble de voir comment est-ce que tous ces mouvements vont contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Il y a eu des formations des enseignants et même du personnel de l'inspection, dont les conseillers que je suis. Donc les indicateurs se sont nettement améliorés au niveau de ces écoles, notamment au niveau du taux de scolarisation, le taux de suivi, n'est-ce pas, au niveau des écoles aussi, c'est nettement amélioré. Au-delà du cadre attrayant pour valoriser l'éducation, Oxfam et ses partenaires ont initié un vaste programme de sensibilisation des parents quant à la nécessité d'inscrire leurs enfants, et en particulier les filles, à l'école. Et si la situation en termes de scolarisation s'améliore, notamment au niveau du cycle primaire, les inégalités de sexe persistent. Or, la scolarisation des filles s'avère essentielle pour faire progresser leurs droits, réduire la pauvreté, limiter les risques de travail domestique, de mariage ou de grossesse précoce. Vous savez, beaucoup d'acteurs se sont mobilisés par rapport à l'éducation des jeunes filles. Alors, pour Oxfam, et par ma modeste personne, j'allais dire, il ne s'agit pas d'inscrire des filles à l'école. Le plus important, c'est de pouvoir créer les conditions pour qu'elles parachèvent le système. Et généralement, c'est à ça qu'on fait face. Même les parents d'élèves et les enseignants des zones concernées par le programme sont pris en compte dans le projet. Toutes ces actions multiformes, les bénéficiaires ne cachent pas leur choix.
Oxfam boli heugur heuginza projet hinza kan kabda kerkabla inir gaxini alhamdulillah il makani zam hongo bo kono sei fodengi zo senewo kayega bikga la karega adwasga ima amigo kataitse bo kono ska kanen nya samden se hefo alhamdulillah zano di inir ko sahab zam alfokar kan zoman ka kein ko ne de se yakine bo sahab me projet ko kali agoko kali se ir ba mam totonu ko karoga. Aujourd'hui, si on enlève tout ce qui est du bien de cette école de Bongo, tout ce qui est apporté par l'ONG Vikanubira, appuyé par Oxfam, en tout cas si on enlève dans l'école de Bongo, cette école sera déserte. L'idéal serait maintenant de multiplier toutes ces belles actions car, disent les populations, on est toujours dans le besoin. De plus en plus, on constate qu'il y a peu de ressources financières qui sont allouées au secteur de l'éducation. Alors, ça aussi bien au niveau pays qu'au niveau mondial, parce que l'aide au développement, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a diminué. Et du coup, les différents acteurs qui interviennent dans le domaine de l'éducation ont commencé à retoucher les manches aussi, à ne pas libérer comme par le passé sur le défaut. Mais je vais sauter sur quelque chose de très pertinent, un engagement du président de la République, qui, le 7 avril, disait qu'il allait octroyer 25% du budget à l'éducation. Pour nous, c'est quelque chose de fabuleux. C'est important s'il arrive à honorer cela. Nous sommes convaincus que Niger aura de bons programmes d'éducation. Donc, en tant qu'Oxfam, nous créons les conditions pour que ce type de fait ou d'engagement puisse être matérialisé. Parce que quand on va octroyer 25% du budget à l'éducation, nous sommes convaincus que beaucoup de choses peuvent être faites. Donc, en termes de recommandations, c'est vraiment que ce type d'engagement, aussi bien au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional qu'au niveau national, puisse être accompagné pour que l'ensemble des Nigériens puissent profiter de l'éducation. Fixe. Entend? Fixe. Repos. Attention. Prêt. Attention aux couleurs. Envoyez. Oh, un seul objectif anime Oxfam et ses partenaires, voir la grande famille nigérienne atteindre les objectifs du millénaire de développement pour un Niger plus fort, plus puissant, à l'image de son hymne, qui prône la puissance, la paix et l'unité nationale. Cela ne peut être possible que par la promotion de l'éducation qui fera des enfants d'aujourd'hui les élites de demain. Ce pari, Oxfam espère le gagner.